Saint-Pancras, c'est le but de la rando. Hein. Voilà. Pancras. Et ici, ça s'appelle quoi ça? Comment ça s'appelle ça, Zario? C'est une cairn. Et ça permet en fait dans les montagnes de se retrouver. Ça va pas s'effacer, ça, tu vois. D'accord. Pour baliser les chemins, on met des cairns comme ça partout dans les montagnes du monde. Hein, parfois. Bon, bonjour. Alors on est dans un refuge d'art. Oh là là. La valeur artistique de cet art là que vous voyez, elle est estimée à 500 000 euros. Voilà. C'est magnifique. Et voilà le refuge, il est là. Voilà. Avec la religion catholique, avec les chrétiens plus exactement, parce que les catholiques, on va trouver des oratoires comme ça. Ça vous parle, ça, les oratoires? Les oratoires? Ça, c'est un oratoire. C'est l'oratoire de Saint-Pancras, en fait, qui est un jeune homme d'une famille noble. Ce que je vous propose, là, c'est vous faites comme une bulle, vous dites une petite bulle. Une petite bulle vie, sans téléphone. Sans caméra. Sans caméra. Ok, je l'éteins. Au revoir, la caméra. Voilà, là, vous avez vu sur les Alpes. Là-bas, la dentelée dans les nuages, dans la enneigée céleste trou, là, il est à 3000 mètres d'altitude. 3000 mètres d'altitude, voilà, au fond, que vous voyez là-bas. C'est ça. Voilà. Là-bas, c'est les deux cloches de Barle. Là, les deux bitonios, là qui sortent de la montagne, là, c'est les deux cloches de Barle. Mm-hmm. C'est très connu ici dans le pays. Et le massif des Monges. Là. Voici la chapelle Saint-Pancras. Voici la ville de Jinmenben. C'est très très beau. On est dans un très bel environnement, très beau paysage que vous pouvez voir là-bas. Check the mic and make sure it sound right, boys.